Comme vous avez pu le voir aujourd'hui, c'était vraiment journée cocooning. Voilà, je travaillais pas cet après-midi, donc j'ai pris un petit peu de temps pour moi. J'ai fait des biscuits de Noël, j'ai regardé The Holiday. Là, je vais me regarder le Noël de Mickey en mangeant. Voilà, et puis ben ça va être la dernière ligne droite de préparatif. Enfin, tout est prêt. Hein. Comme vous avez pu le voir, j'ai fini aussi d'emballer mes cadeaux. Mais dernière ligne droite pour que tout soit prêt parce que ben, demain soir, je bosse jusqu'à la fermeture. Voilà, donc bah après je vais enchaîner direct 24, 25, donc voilà, et puis on sera le 26, Noël sera passé et je n'aurai rien vu venir passer, tout ce que vous voulez. Bref, je voulais vous retrouver pour vous parler de ma nouvelle lecture. Nouvelle lecture donc qui est complètement dans le thème puisque bah là je vais regarder le Noël de Mickey qui est adapté des contes de Noël de Charles Dickens, donc plus particulièrement d'un chant de Noël, et je suis justement dedans. Je l'ai démarré hier soir hein, donc comme vous pouvez voir il n'y a pas grand chose, mais pour l'instant j'aime bien. Là pour le moment Scrooge a reçu la visite du fantôme de son ancien associé Marley qui le prévient que trois esprits vont venir le voir chaque nuit dans les trois nuits à venir. Noël, donc il y a fantôme du Noël passé, Noël présent, Noël futur et voilà, et du coup j'ai hâte comment ça va, bah, de voir ce que ça va donner. Et honnêtement, ouais, je suis agréablement surprise. Alors, je le lis en lecture commune avec Aurélie Deslivres. Donc, elle, pour le moment, elle l'a fini. Elle a été plus rapide que moi, elle, en tout cas le premier. Et elle s'attendait pas à ça. Donc, j'espère que la fin va pas. Enfin, voilà, que ça va pas trop changer de ce que je connais. Mais bon, j'aurai clairement pas le temps de le terminer ce soir. Et je pense que je le reprendrai pas avant le 26. Parce que demain soir, normalement, soit 23-24, soit 24-25, je lis mon. Ma traditionnelle imagerie du Père Noël, voilà, c'est un bouquin que j'ai, je crois que le truc doit dater de, ça, il date d'entre 1998 et 2002, vous voyez, donc ça fait très longtemps, et chaque Noël je le relis, voilà, c'est la tradition, et comme il est assez long, bah, je le fais sur deux soirs, donc voilà, ce sera ma petite tradition, et puis bah, je reprendrai donc ça le 26, et dans les livres, je vous disais qu'il me reste à lire, j'avais complètement oublié Les Petites Robes Noires. Voilà, donc du coup, je pense qu'entre lui et L'amour est un dessert qui se mange à deux, je sens qu'il va y en avoir un qui va pas être lu. Lequel, on ne sait pas. Sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser. Je suis pas persuadée de vous reprendre avant le 26, je sais pas quand. Voilà, mais bon, j'essaierai de filmer un petit peu le repas, les cadeaux, tout ça. Et puis, bah écoutez, je vous ai déjà souhaité un joyeux Noël dans mon vlog précédent parce que là, techniquement, je suis plus à même de le souhaiter. Mais Noël sera déjà passé quand je publierai la vidéo, donc ça ne fera plus trop sens. Voilà, mais en tout cas, franchement, j'ai hâte là d'être au réveillon, de pouvoir souffler un peu. J'ai mon samedi 26, je vais pouvoir me reposer. Franchement, je n'attends que ça. Ah si, juste je vous fais un petit PS de vidéo. Je me dis que vous voyez souvent ça en arrière-plan derrière moi quand je suis sur le canapé. Et vous vous dites peut-être, mais elle nous a menti, elle a trois calendriers de l'Avent, comment ça se passe? Non, non, ça c'est le calendrier de l'Avent de mon chéri. Voilà, je ne suis pas gourmande à ce point. Mon chéri qui est parti dans sa famille, il a fêté Noël, donc raison pour laquelle... Je peux me faire un petit marathon de films de Noël, le Noël de Mickey, Maman j'ai raté l'avion, The Holiday, Love Actually, tout ça. Parce que, alors autant vous dire que j'arriverai peut-être à en regarder un, à lui en imposer un ou deux, mais pas un marathon non plus, quoi. Thank you.
trouve, voilà, Noël est passé. On est le 25 décembre au soir et j'ai été encore extrêmement gâtée. Alors évidemment, c'était un Noël très bizarre parce que normalement, j'ai une partie de ma famille qui devait venir comme chaque Noël depuis toujours et en fait, ils sont pas venus. Donc c'est vrai qu'en termes d'ambiance, voilà, c'était quand même un peu triste. C'était pas forcément comme d'habitude, mais voilà, on a quand même profité, on a bien mangé, on s'est offert 15 000 cadeaux, encore on a été hyper gâtés. Et du coup, je voulais vous montrer, j'ai eu, alors, enfin, en soi, j'ai eu plus que 3 livres, enfin, vous allez comprendre. Je voulais vous montrer bah, les cadeaux qui peuvent vous intéresser, vous. Déjà, j'ai eu mon éclairage, donc normalement, c'est. Les dernières fois là, oui encore là l'éclairage ça va à peu près, je suis avec mon téléphone, mais sinon bientôt l'éclairage là ça y est pour mes vidéos va être au top, donc il faut juste que je trouve, que je comprenne comment ça fonctionne, va peut-être me falloir un petit peu de temps, mais voilà bientôt vous aurez un super éclairage dans les vidéos. Et donc j'avais demandé 3 livres, vous allez comprendre ce là, c'est que j'avais demandé le, alors est-ce que je vais y arriver à une main, oui, le sublime coffret que je vous avais montré dans ma vidéo idée cadeau de Jane Austen. Voilà, je vous le montrerai. Bon, de toute façon, vous l'aviez vu hein, dans ma vidéo. Voilà, donc je suis trop contente. J'ai 4. J'ai Emma, Mansfield Park, Orgueil et Préjugés et Raison et Sentiments. Donc voilà, je suis trop contente. Et puis franchement, il va claquer quoi dans la bibliothèque, mis comme ça. Il est trop beau. J'avais également demandé le tome 1 des Mémoires de Barack Obama. Voilà, énorme pavasse. mais je suis trop contente quoi. Ça m'intéresse tellement. Moi, je suis très autobiographie. J'adore ça, j'adore connaître un peu les coulisses de la vie des gens, des personnalités. Et là, Barack Obama, quoi, président des États-Unis, je pense que ça va être hyper passionnant. Et j'avais également demandé, ce sublime album va-t-il rentrer dans le cadre? La Différente de Christian Auffroy et Corbeau. Je vous montrerai là après, je vous montrerai des pages. C'est un illustrateur que j'adore, je trouve qu'il fait des dessins absolument sublimes. C'est une petite maison d'édition qui s'appelle Couleur Corbeau, donc qui a été créée par eux deux plus la femme de Christian Auffroy. Voilà, donc Corbeau, lui, il écrit le texte toujours très poétique, souvent sur le monde des Indiens d'Amérique. Et puis Christian Auffroy, voilà, il dessine, c'est absolument magnifique. Je suis amoureuse de son travail et je vous avais déjà présenté à l'époque du début du blog et de mes anciennes vidéos, je vous avais présenté déjà d'autres albums d'eux que j'adore. Sur ce, eh ben écoutez, ça va être dîner très light. Là, je vais aller manger. Et puis après, je vais me poser tranquille. Je vais me foutre en pyjama bien tranquillement pour avancer et pour terminer mon imagerie du Père Noël que j'ai commencé hier soir. Je me suis aussi ressorti 2 livres de quand j'étais toute petite. Voilà, des livres limite pour bas âge, quoi. Mais que c'est un peu mes petites madeleines de prose de Noël, quoi, vous voyez. Et d'ailleurs, on peut voir à quel point j'ai toujours été très soigneuse avec mes affaires parce que les machins, je les ai eus, j'avais 3, 4, 5 ans. Ils sont impeccables. Voilà, on pourrait croire qu'ils ont été achetés hier, quoi. Voilà, et d'ailleurs, je vous disais que mon imagerie du Père Noël date. Elle date de 2000, j'ai regardé hier soir. Voilà, donc quand je vous dis que c'est ma madeleine de Proust depuis très longtemps, bah ça fait 20 ans. Voilà. Sur ce, eh bien écoutez, je vous laisse et puis je vous retrouve, je ne sais pas quand. Surprise, le chauffage a sauté. Voilà, je sais pas comment ça se fait, mais alors, du coup, en attendant que ça se remette, il fait 15 degrés. Je sais que c'est pas hyper froid non plus, mais voilà, là je suis pas bien donc je reste en manteau et je voulais vous parler rapidement je suis fatiguée, des contes de Noël, pardon, de Charles Dickens parce que du coup j'ai un petit peu continué donc là j'ai terminé le premier qui est Un chant de Noël, donc qui est clairement le plus connu. Et franchement, j'ai bien aimé parce que, enfin, pour ceux qui connaissent le Noël de Mickey, c'est vraiment le Noël de Mickey, mais avec ben, tous les bonus qu'une œuvre écrite ben, permet, puisque souvent les adaptations n'adaptent pas tout. Et honnêtement, le dessin animé est relativement fidèle à l'histoire, mais là, ce que j'ai apprécié, c'est donc déjà découvrir, comme je vous dis, les scènes bonus, quoi, qui ne sont pas dans le dessin animé, mais surtout c'est l'écriture parce que ben c'est l'écriture de l'époque et ça apporte tout de suite voilà une classe en plus, quoi. C'est clairement différent de ce qu'on peut lire aujourd'hui et c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'aime bien. Je le ferai pas tout le temps parce que du coup c'est vrai que c'est pas forcément hyper facile à lire,
Faut être vraiment concentré dans sa lecture, mais en tout cas, voilà, première histoire terminée et j'ai bien aimé. Mais bon, clairement, autant vous dire que pour ma pile à lire de Noël, là, c'est clairement un échec parce que il me reste quand même Les petites robes noires, L'amour est un dessert qui se mange à deux, mon livre en italien, mais bon, ça, on l'oublie. Et il me restait sur le principe tous mes albums de Noël que je voulais emprunter en librairie. Donc, je pense en fait que je vais terminer celui-là. Je vais peut-être lire Les petites robes noires et puis ce sera tout. Et puis les autres, on reportera à l'année prochaine. Finalement, j'ai décidé de ne pas continuer les contes de Noël de Charles Dickens. Je me suis dit, voilà, j'en ai lu un. En plus, c'était clairement celui que je voulais le plus lire pour voir un petit peu l'œuvre originale, c'est fait. Donc, bah, comme les deux autres, c'était des histoires complètement indépendantes, bah, je me dis, c'est pas grave, je le continuerai l'année prochaine. Et puis là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis passée donc aux Petites Robes Noires de Madeleine Saint-Jean pour, voilà, terminer dans la mouvance Noël, mais pas totalement, puisque ça se passe à Noël, mais c'est pas autour des traditions de Noël, c'est plus la période au moment où ça se passe. Je vous avoue que pour l'instant, je peux pas dire que j'aime vraiment. C'est un univers très girly, un peu Desperate Housewives, vous voyez, où on suit chacune de ces vendeuses, sa vie, mais c'est très. Ouais, c'est très Desperate Housewives en fait, voilà, j'ai trouvé. Et c'est vrai que moi, c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie beaucoup. Après, j'en suis qu'à 100 pages sur 400, mais bon, c'est mes éditions gros caractères, celles de ma grand-mère, comme je vous avais dit. Donc clairement j'en suis qu'à un quart, voilà, on va dire ça comme ça. Donc je peux pas encore vous donner un avis complètement précis. J'essaierai de le faire sur les réseaux sociaux pour que vous, voilà, si ça vous intéresse, que vous puissiez savoir ce que j'en ai pensé. Puisque ben, je vais arrêter le vlog ici même. Voilà. On est le 29 décembre. Je pense que j'aurai pas grand chose à vous dire d'ici là. Et comme ça, le vlog peut être posté demain 30 décembre. Ça a été un plaisir honnêtement de, bah, voilà, de vous filmer mon mois de décembre. J'espère que ben, ça vous a plu également de suivre tout ça, mes lectures, mes préparations de Noël. Clairement l'année prochaine, je pense que je me ferai pas avoir et je commencerai mes lectures de Noël, mes achats, tout à la mi-novembre. Comme ça s'étalera sur un mois, plus d'un mois, et j'aurai vraiment la sensation de profiter, ce qui n'a clairement pas été le cas cette année. Mais bon voilà, ça a été un Noël particulier pour tout le monde. Voilà, c'est passé maintenant, on va à l'année prochaine. Donc du coup, j'en profite, puisque je ne vous reverrai pas d'ici là, pour vous souhaiter une très bonne année 2021. Voilà, en espérant qu'elle soit mieux que 2020, mais je pense pas qu'elle puisse être pire, concrètement. On touche du bois. Voilà. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. Merci d'avoir été là, de m'avoir suivi tout au long de l'année, même quand je me suis un petit peu absentée. Ça devait être entre avril et cet été. Voilà, merci de m'avoir suivi quand même. Merci d'avoir été si nombreux à me rejoindre là depuis la rentrée. C'est assez impressionnant. Bon, de toute façon, je reviendrai dessus dans une vidéo un petit peu bilan, je pense, début janvier. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup. Merci de votre confiance. Merci de me suivre. Et puis, bah écoutez, j'ai hâte de vous retrouver d'ici quelques jours. Mais bon, c'est quand même l'année prochaine. Et puis, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite de très belles lectures, de très beaux derniers instants de 2020. Et puis, je vous dis à très vite. Hasta luego!